Varden ou Elise? Varden. J'aime bien Varden. Hiha. Watcher. Je vous ai à l'œil. Oh gros. Oh gros. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Bon, cette recrue pourra au moins faire diversion. Dragon, démon, Uran, Murloc, Mecha. De toute façon, on sait, hein. Varden, double automate, let's go. Le play de base, quoi. Il y a quoi qui serait bien en double aussi? Dragon, démon. Non, non, double automate. Si, double Robaria, mais bon. C'est compliqué parce que je peux pas virer lui. Chercher des noises de site. Lui, il avait quoi ce con là? Ah, une 1. Après, je peux garder en main. Hein. Une vieille 1 toute pétée. Je fais quoi? Je prends ça? Ah non, je prends un entourlooper. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort. Est-ce que je joue mon cri de détresse? Le problème, c'est que lui, il avait un mecha. Et aussi bien, il a toujours son mecha nul. Mais il va quand même rajouter des trucs. Est-ce qu'on veut une 1 de plus? Cri de détresse. Mais c'est un chien, pourquoi il crie? C'est bizarre, non, en vrai, l'image? Juste, il crie parce qu'il voit un chien. Vous êtes en bonne voie. Je vais rester comme cela. Anna! Oh non! Ah non, mais j'étais à 0%, ok. Je suis con, mais c'est comme ça. Hein. J'y peux rien. Tenez, ça va vous remettre en selle. Hey. Je serai pour le prochain tour dans la taverne 4. Peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Hors de ring, Lul. Arrêtez. Ok. J'aime bien mon départ. Lui, il doit être taverne 3, sensiblement. Voilà. Je vais chercher Rondelle. Rondelle le cerveau. Quelle pété. Elle rondellito. C'est quoi qu'il avait lui? Plus vous cherchez des noises de sitôt.
Ça, c'est incroyable. Hein. Mais Hadron aussi, c'est incroyable. Hein. Ouais, quand même. N'approchez pas de ces œufs. Mourez. Battez-vous. J'ai presque envie de prendre la flèche sur la matrone. Parce qu'en vrai, il y a un monde où ça va dessus et on a envie d'avoir un peu d'attaque sur ce garçon. Je préfère elle que Rondelle le cerveau. Même si c'est des très bons. Les deux sont des très bons T4 à découvrir. Oh non, les deux pires, sérieux. Non ! Mais ma vie ! Mais vie, ma vie, sérieux ! Bah ouais. Impressionnant. Rappelez-moi de jamais vous énerver. Bidon de taverne au tronc, on essaye, non? Avec notre pouvoir, on aura envie de up, peut-être. Si on prend bidon, on peut pas up. Est-ce qu'on a envie de up dans ce spot? Un peu risqué, non? Après... Si on prend caisse, on peut up. On prend porte-clé juste pour la tempo. Je crois qu'avec le pouvoir, j'ai quand même envie d'être dans la T24 pour doubler des 4. Là, j'ai juste me faire un peu secouer, mais bon, c'est le jeu. Ah là 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 là, c'est vraiment pas sympa ce qui s'est passé le combat d'avant. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas. Oh, nice. Ah, voilà. Voilà. Ouais, là, faut que j'arrête de gueuler, par contre. C'est très désagréable pour moi, en fait. À droite. Ah non. Bah, pas voilà. Ah, j'y étais. Bon, après, j'ai récupéré une carte. Je prends que 5. Merci, Corlam. Merci d'exister. 51 mois, en plus. Waouh. Presque un an. Merci de ton aide. Merci beaucoup. Ok. C'est super cool, ça. Ouais. Rondelle le cerveau. Non, je te veux pas, Rondelle. Je crois que c'est un peu tard, tour 7. Je pense tour 6, tour 5, c'est très bien, ça. Mais après, c'est un peu... un poil tard. Vous êtes nuls, vous. Ça peut donner réincarnation sur ces garçons. Les gemmes 1-2. Ouais, c'est ok avec ça. On met eux devant. Ça revient au même. Non, mais c'est comme ça. J'aime beaucoup Grassobot. C'est une de mes cartes préférées dans le jeu vidéo. Tout jeu vidéo confondu d'ailleurs. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas.
Attends, mais le gars il va même pas me tuer 3 créas, sérieux? Non, mais là c'est bon quoi. Bah ouais, mais tu tues 3 créas quand l'autre il est mort aussi. Est-ce qu'il était trop faible ou est-ce qu'on était trop fort? Ah, ça c'est super cool hein. Ça c'est sûrement la meilleure carte du jeu maintenant, Archimonde, mais là c'est pas trop le délire avec ce que l'on a. Je fais un tour tempo avec ça. Ah, quoique, il y a persécutionniste quand même. Ouais, j'ai tellement de trucs à virer en vrai. Un ajout de qualité. Une action qui rapporte. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est une impasse. C'est une impasse. Ok. J'aurais pu dégeler, mais pas le time. Ouh, il est fat lui hein. Bon. On prend un peu de dégâts, on a une carte dorée, on va aller dans la 5. Gangroptère affamé. Non, c'est trop faible. Nala, par contre, ça peut être sympa, non? Après ça c'est fat hein. Ouais Nala ça m'a l'air lent. Je vais prendre la canne à pêche. Ah Sargeras. Non mais Sargeras doré c'est totalement stupide. Je suis en haut de la chaîne alimentaire. On va aller chercher le gango là. Yeah. Bon, on est pas mal pour un tour 9. Et ça, ça peut se magnette. J'aurais pu prendre Faucheur, mais j'avais un peu peur. Je voulais tempo sur ce tour. Faucheur était pas assez fort par rapport à Atrocité. Je voulais équilibrer un 50-50. Nice, ça paye. C'est un prix qui paye, il est important celui-là. Ok. Ouf.
un plaisir de faire affaire avec vous. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Ça, perdition. Ok. Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas! Vous voyez, c'est con, mais le fait d'avoir gagné le combat d'avant, bah, ça me permet de pas forcément rusher l'ennuyau sur l'atrocité et donc bah, de la garder en main et donc d'augmenter mon scaling. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal. Je ne fais qu'un avec les épines. Le problème, c'est que si j'enlève le taunt de lui et que je les triple, la question c'est est-ce qu'on veut les DJ? C'est vraiment pété, mais est-ce que ça a du sens ici? Pas des masses, hein. Je crois que je vais vous laisser. Hein. Il peut y avoir des cleaves. Ouais, mais je joue démon, il n'y a pas de cleave. Valait pas mieux garder un robot mineur que le trickster? Si, sûrement. Non, ça, non, parce que ça se joue à quelques détails de stats. Et dans tous les cas, les deux allaient partir. Si tu triples Urzul, il sera pas taunt. Mais je sais pas, hein. Il y en aura un qui aura taunt et l'autre non. J'ai peur qu'il ait taunt. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Ça, on peut mettre sur l'oracle. Ou sur Ravager, hein. Ouais, mais comment on booste le Ravager derrière? Ou alors on garde un peu Ravager en main. Bon après, si on a Bran, on dort Bran, je pense quand même. Je sais pas. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Je pense que c'est pas mal ça. Polarisant, ça marche bien avec ça. Ah. Je l'avais pas vu. Quoique, c'est lent ça. Je crois que c'est trop naze ça. Je pars
rend ça magnète, hein, c'est meilleur. Après, je peux quand même acheter parce que ça booste. Ce qui vire, c'est lui. Ouais. Après, on peut dorer un Urzul. Hein. Non, mais on veut dorer ça, je crois. Je dors lui, hein. C'est con. C'est con, mais ça me fait rire. Non, c'est trop fort, ça. Si j'arrive à le booster, ça va être n'importe quoi. Hein. L'or est à vous. N'allez pas dépenser en une seule fois. La merguez, ça va sentir la merguez. Piou piou. Le bel oiseau. Énorme. Oh bordel. Bon là par contre je vais garder un magnète en main. Je crois qu'on va virer lui. Enfin, non, bah non. Ce qu'on vire, c'est lui. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Ouais. Je pense que je vais aller par là. Après, il faut libérer... En fait, je suis pas certain. Peut-être que lui, il a plus trop de sens vu qu'on va jouer avec lui. On est d'accord? Je peux prendre les... Ah non, mais non, j'ai pas la place. Je crois que je vais faire juste ça. De toute façon, le magnète ira sur lui et sur lui. Je vais quand même garder les Urzul. Ouais. Ne regardez pas en bas. Une action qui rapporte. Ah zut. Bon, c'est quand même gros hein. On rajoute quand même des 1000 chaque tour hein. En plus avec le polarisant. Ça c'est du BG ouais. Ça c'est du BG. Cet oiseau de malheur là. Non, je pense pas qu'il faut décaler les oracles parce qu'il y a lui qui fait le ménage au début. Il est censé passer les taunts, lui. Par contre, faut lui, faut le dégager. Pourquoi je l'ai en main? Ah ouais. Bon, c'est pas très grave, ça se dégage.
les chances d'avoir Urzul là. Lui joue des hurons. En vrai, ça accomplit pas assez ça. Je vais virer les deux, je vais mettre double ça. Hein. Non. Je suis pas obligé de jouer avec À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. Je vais rester comme ça en fait. Hein. Bon, j'aurais pu dégeler, mais. Le dragon il fait le ménage. Hein. Le gars il doit se dire mais comment je perds? Pourquoi je perds? Je suis énorme, je suis invincible. Tour 14, je suis invincible. Non t'es pas invincible. T'es pas invincible ma gueule. Normalement t'es invincible. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Non bon on s'en fout. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Plus rien ne vous arrête à présent. C'est lui qu'on dore, non? Ça fait quoi quand c'est doré? À sa cible et à un serviteur adjacent. Comment ça marche quand c'est doré? Peut-être on aurait dû dorer Beatboxer. On ne bouge plus. Non, c'est ça. Ne regardez pas en bas. Ah, c'est à un adjacent. Et là, c'est aux deux. Oh, c'est con. C'est con, c'est con. Par contre, il va peut-être mettre Leroy pour me contrer, donc je vais faire sign, tout ça. Il est con ce board, hein. Mais peut-être fallait dorer. Non, Beatboxer ça sert à rien, il va prendre un Leroy tout de suite ou une connerie, non, non. Ah. Sans Leroy, tu peux pas me gagner, mon grand. Par contre, je vais mettre ça sur un faucheur, peut-être. Bon là c'est le dernier combat, il n'y a plus besoin de garder en main. Attends, il joue quoi lui? Il joue Uran? Ouais. Je vais essayer d'équilibrer avec une autre créa peut-être, un autre boubou genre ça. Il était tellement gros, 1200, je rajoute un 1200 comme ça, je pense. Je suis en haut de la chaîne alimentaire. Ne refuse jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Et je le taunte, ouais. Voilà. Bon,
pareil, hein. Si elle a un Leroy, on le défonce et ensuite, c'est le ravage. Gamme de l'année. Il y a un monde où c'est la gamme de l'année, hein. C'est clair. En tout cas, pour le moment, c'est la gamme la plus dingue de l'année. Mais remarque, il reste 2 mois. Incroyable, n'empêche, hein. Game de la décennie, c'est possible. Non, il y avait une game que j'ai jouée il y a 3 ans où il y a eu un Carny. En fait, il y avait le compagnon Carny qui s'est réactivé et ça a fait un truc débile. Enfin, il y a une espèce de setup bizarre où il y a eu des effets pendant 3 minutes et à la fin, ça a détruit mon board pendant le combat. Enfin, un truc, un truc de début de combat incroyable. Ça, c'était la gamme de la décennie. Mais ça, là, c'est la gamme de l'année pour le moment. Vous avez réussi. La ville est en sécurité à présent. Merde, le Leroy. Bon, il perd quand même, mais... C'est fou, hein. On a bien joué, hein. Je suis content parce que je l'ai bien joué, j'aurais pu m'enfermer dans démon et j'ai joué démon au moment où il fallait jouer démon, j'ai joué mecha au moment où il fallait jouer mecha et j'ai rejoué mecha au moment où il fallait jouer mecha en faisant de la tempo au moment où il fallait faire de la tempo. Elle est vraiment propre aussi cette game, elle est impressionnante mais techniquement je trouve qu'elle est propre.